Les amis, il y a le nouveau décor. Non mais attendez, là je suis trop content parce que les gars, on a un nouveau décor du coup à l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. Et ce décor est un décor de gros rats. Ce décor m'a coûté 0€. En fait c'est des palettes que j'ai récupérées dans la rue. La planche au-dessus, je l'ai récupérée dans la rue. Tous les objets qui sont là, c'est des objets de chez moi en fait. Et toutes les plantes et tout, en fait c'est des plantes que bah on avait en trop dans le décor. Parce qu'il y a des plantes partout, je sais pas si t'as vu. Et du coup je les ai mis là. Donc les gars, j'espère que vous aimez le nouveau décor. Alors des fois je le montrerai plus, des fois moins. Là aujourd'hui on englobe tout. Mais en tout cas je suis trop content parce que le studio il avance. Et là le décor il est même pas fini. Il manque encore toutes les lumières. Mais une fois qu'il sera terminé il sera incroyable. Donc les amis, bonjour. Donc aujourd'hui j'espère que vous allez bien, parce qu'on se retrouve parce qu'on va ralasser mort. On va faire des dons à des petits streamers sur Twitch qui débutent, et aussi à une ou deux autres personnes. Et je vous réserve la surprise pendant la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée parce que oui, ça coûte très cher de faire ce genre de vidéo. Trop cher. Cette vidéo est en collaboration avec CyberGhost VPN. Et pour que vous me preniez plus au sérieux, je mets mes lunettes. J'espère que vous me prenez plus au sérieux maintenant. CyberGhost VPN sont les leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles à Trustpilot qui ont été examinés par 14 000 personnes. Les gazos, c'est safe. Leur réseau privé permet de débloquer plus de 35 sites de streaming. On connaît ses priorités, bien sûr, comme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et bien plus encore. Je te donne un exemple. Le Netflix aux US que tu as accès avec le VPN a 40% de plus de contenu que celui en France. Parce qu'en France, c'est des rats. Et c'est là que t'as besoin d'un VPN. Ça te permet d'avoir accès à ce contenu et sans limite. Aussi, ça permet de naviguer sur Internet sans la moindre restriction. Et en toute sécurité, ce qui est important. Et ce qui est important de savoir... Aïe, désolé. Ce qui est important de savoir avec ce VPN, c'est qu'il conserve ni data ni fichiers. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde, y compris CyberGhost, ne saura rien de ce que vous faites sur Internet. Rien du tout. Il dispose de 7000 serveurs disponibles dans 90 pays différents. Et honnêtement, même dans toute ma vie, je suis pas sûr de faire 90 pays différents. Ce qui vous garantit une sécurité partout. Et en plus, leur application est compatible avec tout. Avec tout, gros. Windows, Mac, Android, tout. Et vous savez, les amis, le plus important, c'est la famille. Et CyberGhost, vous pouvez le mettre sur 7 appareils différents. En simultané. Donc, tu peux te prendre ton abonnement et après le partager à tous tes gazos, à toute ta famille. Parce que l'important, c'est la famille. Vous pouvez souscrire maintenant un abonnement CyberGhost VPN sans risque, avec leur garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, et la présence en ligne de leur équipe 24h/24, 7 jours sur 7. Ça fait du cash toute la semaine. Via mon lien disponible en description, vous obtiendrez moins 85%, soit 1,84€ par mois et 4 mois gratuits. Maintenant, place à la vidéo. Donc merci CyberGhost de sponsoriser la vidéo. Et là on commence maintenant. Là moi je vous dis sans mentir, on va y aller à la zub aujourd'hui. J'ai même pas envie de réfléchir. On va juste cliquer sur des jeux. Et genre dès que c'est sympa, on fait un don. Genre les gars, on a un petit budget, on peut y aller. Mais à la fin j'aimerais bien faire un énorme don, tu vois, pendant la vidéo. Alors on va commencer les échecs. Genre il y a des gens, ils ont... Mec, il y a lui qui est en train de jouer aux échecs, il a 200 viewers, il a plus de viewers que moi. Parce que je fais des live Twitch tous les soirs, si vous savez pas. Attends, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi sur son micro? Sur son micro, on dirait qu'il a un pou géant. Il a un pou géant. Ah, le pou est tombé! Il a pas fait le poids. Attends. Donc le gars, il est en mode tard, il joue aux échecs et tout le monde regarde. Putain, c'est un délire parce que en vrai, ce genre de stream, ça pourrait totalement être nos darons. Genre, c'est nos darons qui feraient ce genre de stream. Mais ça se passe parce que c'est le seul qui stream, du coup, il a tous les viewers. Allô? C'est pas possible à prendre là. C'est pas possible, c'est évident. Moi je m'y connais en échec là, je comprends très bien que ce n'est pas possible d'utiliser le cavalier sur la tour. Ah si, c'est possible. Mais ça se voit, il est désespéré, il est trop stressé. Attends, on va le détendre un peu le gazo. La case C7 pour madame. La case C7 pour madame. Bon après, il aime peut-être un peu trop les échecs. Hein. T'es courant que la reine dans les échecs n'existe pas. C'est un pion. C'est pas possible d'avoir des rapports avec, on est d'accord. Alors attendez, faisons un petit don. On va s'appeler Huawei. Ou non, on va s'appeler Raichu parce qu'on est super chouchou. Raichu, et on va commencer avec un petit don de 5 euros. On va lui dire yo mon gazo. Il va pas comprendre. Genre, hey, les gars, moi je dis gazo à tout le monde. Là, si je lui dis yo mon gazo, c'est sûr il va pas comprendre. Faut que je pose une question, mais genre vraiment teubé quoi. Genre, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Parce qu'en vrai, je pourrais lui dire termine ta partie d'échecs et je te donne de l'argent. Sauf que le problème, c'est qu'une partie d'échecs, c'est long. Jamais de la vie j'attends. À moins que le gars soit un génie. Oh, est-ce que je lui lâche une blague de merde? Genre, dans ta vie, as-tu connu des échecs? C'est super drôle! Non, vas-y, en vrai, je lui fais un don. J'ai envie de voir si, genre, est-ce qu'il va trouver ça drôle? Oh! Oh! Sub pour ton don, pardon. Putain, elle était rapide hein, pour les dons. Hein. De toute façon, je vais répondre premier degré à c'est quoi le plus grand échec dans sa vie. C'est tellement tentant. Ah, mais il va même pas répondre en fait. Genre, je vais lui donner 5 balles, genre le prix d'un kebab, et le gars s'en fout. Tour C8, tour D8 plutôt. Non, mais tour D8, tour C8. Moi, je fais tout péter, je vais à la C4. Bon, je suis désolé, mais pas beaucoup de réactions. En vrai, il est gentil, hein, mais c'est juste. Moi, je voulais un mec qui joue, il a même pas lu le message du don. Genre, c'est quoi ces streamers aujourd'hui? Que des rats. On va aller sur Valorant. Vous savez quoi? On va aller tout niquer sur Valorant. J'ai envie de trouver une meuf.
Ah mais non, mais je parle pour faire un don, hein. Bon, après, j'ai aussi envie de trouver une vraie meuf, c'est vrai. Y'a qui a une tête à ce que je lui fasse des dons? Y'a qui veut de l'argent? C'est vraiment horrible comme concept. Et là, y'a un mec, il a créé un sim qui s'appelle Grind Valo, donc Valorant, c'est toujours le même jeu. Sauf que lui, il joue à Fortnite. Tu t'es un peu perdu. Un peu, tout va bien. Les gars, vu que sur Valorant, je n'ai trouvé personne. Parce que je sais pas, les gens, ils avaient pas genre un mood à don. Oui, parce qu'il y a un mood à don. Y'a un mood à avoir de l'argent. Eux, ils avaient pas le mood, tu vois, ils étaient trop concentrés sur le jeu. Là, on va aller sur Rocket League. Et vous savez quoi? On va trouver un mec, on va lui faire un don de 1€. Et on va lui dire, si tu marques, tu gagnes 100. Voilà, y a pas de débat, que ce soit rapide. Genre, par exemple, y a lui là qui est en train de jouer avec ses lunettes, on dirait un peu genre Ponce, mais après le vaccin. Donc, moi, je propose, on lui fait un petit don. 1€. Eh, venez, on passe pour des mecs genre grave louche. Marque un but, et si tu réussis... T'as les gars, le but, c'est de faire un max de faux d'orthographe. Parce que du coup, il pensera que c'est faux, tu vois. Je donnais 100 pesos. Oh là là, ça veut absolument rien dire. Genre vraiment. En plus, le pire, c'est qu'il y a des gens, ils parlent vraiment comme ça, c'est trop drôle. C'est bon, je vais faire le don. Ah putain, il a vu. Mais par contre, la qualité de son stream, elle est un peu bizarre. Merci pour ton don, en fait. De rien, Gazo. Rayton, merci mec. Mais putain, mais lisez le message. 1€, qu'est-ce que je peux m'acheter avec 1€? Avec 1€, mon respect. Une sucette. Une sucette. Je t'ai donné 1€, mon gars. S'il te plaît, réponds au message. J'en ai marre de donner de l'argent et personne ne répond. J'ai l'impression que je suis le seul streamer qui répond au message quand on me fait un don. S'il te plaît, réponds. Merci beaucoup, mec. Il est con? Non, mais... Je ne comprends pas les gens, genre... Tu vois, c'est pour ça que j'ai, genre, je fais de moins en moins de vidéos dons, parce que les streamers, j'ai l'impression, ils comprennent pas. Les gars, il y a des messages avec les dons. C'est pas juste on te lance de l'argent, sinon c'est mal poli. Quoique, c'est le genre de moment où c'était bien content quand c'est mal poli. Bon, vous savez quoi? Jeu suivant. Fall Guys. Ah là là, les gars, il y a ce mec qui a tout ce que j'ai pas, c'est-à-dire une belle coupe de cheveux et une barbe. Putain, hier soir, j'étais en soirée, il y a une meuf, elle arrive, elle me fait « Mais t'as quel âge ?» Je lui ai dit « Bah, devine mon âge, tu vois, devine mon âge. » Elle m'a dit « T'as 19 ans, 18 ans. » J'ai fait « Non, j'ai 23 ans. » Et elle a fait « Mais t'as pas de barbe ?» Et je lui ai fait « Bah, t'as pas de sein. » Les gars, c'est ça, hein. Moi, je devais me défendre parce que la meuf, elle me taille sur le fait que j'ai pas de barbe alors que j'en ai une. C'est juste que vous la voyez pas. Ça va pas hier, j'en ai pas. C'est juste que vos yeux ne sont pas avec des FPS suffisants pour l'avoir. Mais fallait que je me défende. Et lui, il a une barbe. Donc, je vais lui péter les dents. Donc, on va lui faire des dons. C'est beaucoup plus sympa que de péter les dents à quelqu'un. On va lui faire un don de 1€, le gros don du rat. Et on va lui dire bonne anniv gazo. Laissez tomber les gars. Si vous êtes mes gazo, tapez gazo dans les commentaires. Tapez tous gazo. Genre gazo à mort. Je veux que tout le monde soit gazo. On va le faire à don de 1€ et si sa réaction est satisfaisante, et bah je lui ferai plus de dons. C'est son anniversaire à gazo. Merci pour tes 1 franc, mon pote. Mais 1 franc? Bon année, gazo. Merci mec, ça va? Attends, quoi? Alors déjà, j'apprends 2 choses. 1, que Fall Guys est devenu méga stylé. De 2, lui au moins il a lu le chat, mais il a lu gâteau. Il a lu bon anniversaire gâteau. Mais c'est pas ce que j'ai dit. On va lui refaire un don parce que vas-y, c'est son anime. On va faire un petit don, on va faire 50€, juste pour le fun. C'est cadeau. J'aime bien parler comme un débile, genre vraiment, quand je fais des dons, parce que comme ça, tu vois, le gars il se dit, putain, ça se trouve, c'est un enfant qui fait des dons avec la carte de ses parents. En vrai, on pourrait lui faire croire ça, en vrai, moi je suis chaud. Hein. Genre pour voir jusqu'à où ça va. Mais par contre, si vous êtes un enfant, ne prenez pas la carte de vos parents, faites pas les fous. Ah, I bug! Bah merci. Bah de rien. Merci pour ton cadeau d'anniversaire, Rayton, merci beaucoup. J'aimerais qu'on lui envoie un minimum de merci et de love quand même pour Rayton, pour ce joli petit cadeau qu'il me donne. Bah de rien, gazo. Super plaisir, j'espère que tu te mets pas trop dans la sauce pour ça, mon pote, merci beaucoup. Non, c'est CyberGhost qui se met dans la sauce, moi je suis dans la sauce de rien du tout, je suis que dans la sauce tartare. En vrai, attends, tu sais que j'ai un truc de mort, je me rappelle même pas ce qu'on lui a dit et combien on lui a donné. Du coup, bah, dans le doute, je lui redonne de l'argent. On va lui donner 100€, t'inquiète, c'est moi qui régale gazo. Mais j'ai une question. Dis-nous ton plus gros secret et je refais un don. Et là, je marque, je... les verbes, on les accorde même pas. La carte de ma mère, t'inquiète. Let's go. Quoi? Mais j'ai une question, dis-nous ton plus gros secret, je refais un don et j'utilise la carte de ma mère, t'inquiète. Mais il est malade, lui. Faut jamais prendre les cartes de sa mère. Un secret. J'ai un tatouage d'un animal que j'ai peur sur mon corps. C'est un secret. Ok, c'est un petit secret, c'est marrant. J'ai un don de 100 balles quand même. Mais si, c'est un secret, personne... Arrêtez, c'est un secret, personne sait où c'est. C'est sur la bite, c'est sur la phalange. Non mais en vrai, j'ai donné 100€ et j'ai dit que c'était avec la carte de ma mère et ils s'en battaient les couilles. On lui refait un don direct. C'est giga drôle. 200€. Dak, gazo, bonne... Anniv, Annick, c'est la petite Annick, je sais pas si vous connaissez. Elle a coulé comme le Titanic, la petite Annick. Si ma mère me frappe avec le balai après t'avoir fait ce don, c'est toujours mieux que mon père avec la ceinture. Je sais pas ce qu'il va répondre à ça parce que ce genre de message, c'est un coup, ça pourrait être un truc vrai, tu vois. En vrai, j'aime bien ce genre de vidéo là, c'est juste chill. On est là, on discute, on papote.
N'empêche, hors contexte, c'est vraiment dommage qu'on voit pas le décor parce que bah il est trop loin. Problème, problème. On va faire un petit don, allez, un petit don de 200 euros. C'est carré, les gars, c'est carré caramélisé. Oh, t'inquiète, ouais, si ma mec me frappe avec le balai après t'avoir fait ce don, c'est tout ce que tu fais avec la ceinture. Oh le ouf. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 200 balais, t'es un malade toi. Je connais la ceinture, t'inquiète. On connaît le balai, la ceinture, les dards, ouais. On les connaît bien. Qu'est-ce qu'il dit là? Ne fais pas ça, mon pote. Mais fais pas ça, t'es un ouf. 200 balles. Moi j'espère surtout que tu restes en vie parce que tu c'est chaud de faire ce genre de don comme ça avec une si grosse somme. Oh tu vas te faire déglinguer mon pote. Oh bah mon cher elle va me canner. Ça me fait plaisir déjà le petit don. Franchement c'est très très bien. Ça veut dire qu'il m'encourage après le conseil de classe. C'est très bien, continue. Bon j'espère en tout cas qu'il a kiffé parce que les gars c'était giga drôle. Je te souhaite un bon anniversaire et une bonne continuation dans ta vie petit gazo. Je veux faire des dons dans un stream Minecraft. Alors, qui mérite son... Wesh, il a le masque. Il a gardé le masque. Mec, il garde le masque à l'intérieur. Ce gars est un crack. Bon, on peut pas lui faire de dons, mais intérieurement, je t'ai fait don de mon amour. D'ailleurs, les gars, bientôt, on va être libre. Il y aura plus besoin du masque. Genre, enfin, je dis, on va être libre. Mais c'est pas comme si on était vraiment enfermé. Enfin, moi, je suis juste enfermé dans mon studio. Quelqu'un a la clé? Oh purée, j'ai enfin trouvé un stream Minecraft de bonne qualité. Sauf qu'il y a que un viewer. En plus, il n'y a pas les dons. Je peux pas lui faire de dons. Ça me casse les couilles. Comment je perds mon argent moi sinon? C'est quoi ces gens qui veulent pas de dons là? C'est quoi ces gens passionnés par le stream? Genre il y en a encore. C'est quoi, je me follow à toi? C'est quoi genre, je peux pas te faire de dons mais au moins je te soutiens d'une autre manière. Bref. Ok les gars, là on est sur un stream d'un gros daron. Son stream s'appelle la tanière. Et moi je pisse dans la tanière. Mais bon, c'est un stream de daron. Le gars il est là, petite barbe et tout. En vrai ça se trouve je dis ça, il a 17 ans. Il y a pas son âge quelque part? Parce que souvent genre je suis surpris des âges. Hein. Genre moi par exemple, la commu, vous me donnez quel âge? Bon, en vrai je l'ai déjà dit tout à l'heure mais en vrai, si on enlevait le fait que j'ai cet âge là, vous me donnez quel âge? Comment ça, 15 ans? Je vous emmerde, j'ai une barbe. Vous savez quoi, on va lui faire un don? On va s'appeler Don. Oh, non, il est marqué Your Name, on va s'appeler Your Name. Comme le film d'animation. Un très bon film d'animation, les gars. Si vous ne pleurez pas devant Your Name, vous n'avez sûrement pas d'âme. On va lui faire un don de 10$. On va juste voir comment il le prend. Je pisse sur ta tanière pour marquer mon territoire. Bon, avec deux hauts territoires. C'est ça l'aide de mes connaissances. Mais t'inquiète, je te kiffe, c'est pas méchant. Juste que j'aime bien être sale. Mec, je sais pas ce qu'il va répondre à ça. Hein. En fonction de sa réponse, on augmente le don parce que là j'ai écrit à l'aide de mes connaissances. C'est parti les gars, j'ai fait le don. Allez, 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 allez. Ah, il faut qu'il achète son bras de micro, ça coûte 80$. Bah, je trouve en fait ça charge un peu trop. Ouais, la grosse barre elle charge un peu trop, ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. Par contre, mon don. Enfin, ah, c'est bon, il est là, mon don à Your Name. Ouais, il l'a juste pas vu encore. Bah, comparé à mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Mercredi, moi j'ai rien fait. Le problème c'est qu'il a pas vu mon don. Je vais dire, regarde tes dons, gazo. Et les gars, moi je pense que je vais lancer une traîne. Hein. À force de dire gazo à tout le monde, je pense qu'il y a des gens ils vont commencer à le dire au quotidien. Genre, allez, essayez avec vos potes, dites, hey, mon gazo et tout. Regarde tes dons, gazo. Mais putain, mais regarde tes dons, frère. Mais j'en ai marre, moi je fais un max d'efforts dans mes vidéos et les streamers font plus d'efforts. Raid ton TV, regarde tes dons, gazon. Gazon, il a dit, mais putain. Non, mais pourquoi j'ai pas d'alerte? Bah oui, moi je t'alerte. Pourquoi je n'ai pas d'alerte? Bah oui. Mais non, mais j'y crois pas. Bah moi si, parce que mon compte bancaire a bien été débité, donc crois-moi que j'y crois. Mais c'est 10€, mais le mec il m'a. Mais c'est qui m'a fait 10€? Il a écrit Your Name. Mais y'a Renge qui vient de me faire 10€ de don, c'est toi Rayton? Peut-être. Rayton, c'est toi qui m'as fait 10€ de don là? Mais c'est adorable. Ah, c'est adorable. En vrai, gazo, c'est rien. Rayton TV, je suis abo. Ah, c'est un. Ah, Rayton TV, c'est un youtubeur? Un beau. Un beau youtubeur. Ah, ça fait plaisir. Bah écoute, enchanté, merci. Mais merci, si c'est toi mon gars, merci. Le gars, il est vraiment en train de kiffer de ouf. Hein. Merci, mon Rayton. Oh, c'est mon Rayton. T'inquiète, on va te mettre bien. Mais viens lui faire un petit don. Ça me saoule. Je sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai aucune idée de comment t'aider. Désolé. Genre, et je lâche 200€. On va voir ce qu'il va dire. Je vais faire un petit don. Mais mec, en plus, je te kiffe de ouf. Ah, il me kiffe. Mais tout le monde me kiffe aussi. Je savais même pas que c'était toi. Je regarde énormément de tes TikTok. Ah ouais? Ah, je suis considéré comme un TikToker maintenant. Je suis l'élite. Attends. C'est une blague? Mais y'a jamais de blague, moi tout est sérieux, gazo. T'as vraiment envoyé 200€ là? Non, jamais. Mec, t'as vraiment envoyé 200€? J'ai envoyé 200€ autant que je vais envoyer ce magnet dans le plafond. Mec, il a une vraie réacte, hein. Je m'y attendais pas, il a une vraie réaction, les gars! Fais ça, mon pote! Merci! Rayton vient de m'envoyer 200€! Comme ça, tu payes ton bras de micro? Moi, j'ai juste un micro pénis.
Mais juste un micro-pénis. Eh, si tu fais une vidéo YouTube. Salut YouTube, j'espère que vous kiffez bien Rayton. Ah. Moi, je le surkiffe. Il vient de me faire un don de malade mental. Un truc de fou. Je suis tout petit comme streamer, tout petit. Il arrive, il m'envoie 200 euros. C'est pour toi, mon gars. C'est ça qu'on veut, les gars. Il a pas lu, mais il était là. Ouais, maman Louve vient d'ouvrir la porte. C'est pour ça qu'on a une lumière de merde, mon cœur. Oh, il a une femme et tout. Ça veut dire que ça se trouve, en vrai, je vais donner de l'argent pour le futur bébé. Ah, je suis tonton Rayton machiavélique. Je les follow. Et du coup, il me suit. Merci, mon Rayton. Merci pour le follow. Tu l'as entendu, le loup. Je te souhaite la bienvenue près de la tanière. Installe-toi, mets-toi bien et... Putain, mais là, il me dit ça maintenant, mais à 10 minutes, j'ai quand même dit que je voulais pisser sur la tanière. Hein. Mais ça fait tellement plaisir qu'il soit un million d'abonnés, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Eh, c'est pas parce que j'ai un million d'abonnés que je suis pas un humain. Hein. Du coup, tout le monde, on est de retour cette fois-ci avec Noah. Let's go! Donc j'ai invité Noah parce que j'avais envie qu'il contemple ma décadence. Tout à fait, je contemple. Incroyable. Moi, j'ai hâte de voir ses réactions. Mehdi, Florian, un de nos talents Mehdi, de la Florian, team Cookie. Le meilleur talent. Le meilleur. Le plus grand. Celui qui pèse dans le milieu. Ouais. En fait, on était en live sur Twitch et je les raid. Et du coup, mes abos, en fait, ils doivent pas dire que je vais lui donner 1000 euros maintenant. Okay. Parce qu'il est en live caritatif, les gars. Et du coup, là, c'est le genre de moment là où c'est bien de faire des dons, genre à fond. Apparemment, c'est au profit des associations des handicaps internationales. Ok, les gars. Okay. Vous savez quoi? Alors, c'est quoi les montants? 10 euros, 20 euros, 50 euros. Oh là là. Attends. C'est quoi? On va jouer un peu avec lui, attends. Je donne 1 euro. Vas-y. Fais un petit... de singe et tu auras une surprise. Il va totalement devoir le faire. S'il le fait, direct, je lâche 1000 euros. Mais là, il est en train de rapper. Ouais, je vais nous faire jouer, il me dit. Ouais, ça a marché. Le nom a donné 1 euro. C'est-à-dire, j'ai un petit cri de singe. Non, si je fais un cri de singe, ça fait combien de points singe? Ça fait beaucoup trop de points singe. Parle de points singe, s'il te plaît. C'est bon, il l'appelle. Mais dis Florian, un talent. Les rugis de faire le singe. Je suis pas un macaque, je suis plutôt un gorille. Regarde-moi dans la cage. Des bêtises je suis dans l'amour et dans le thème, mon pote. Est-ce que tu ressens ça, hein? Combien de points singe? Est-ce que t'es singe? Est-ce que t'es sauvage? Le mec, il est en train de taper un vrai freestyle sur les singes depuis 5 minutes. C'est un malade mental. Moi, j'ai des balls. Oh putain de merde. On envoie 1000 balles. Rien à battre. Donc là, tu vas doubler tous les dons qu'il a reçus depuis le début du live. Team Cookie jusqu'à la mort. On lâche 1000 balles. C'est fait, mec. C'est fait, les gars, mais dis Florian. Oui. Let's go. Merci pour 1000 balles. Ça fait vraiment plaisir. T'es le meilleur, mon pote, j'ai envie de te branler, tu le sais. Ouais, me branler. Là, il parle tout chou, là. Il veut me branler, gros. T'as fait 1000 euros. 1000 balles. Hey, 1000 balles. Hey, 1000 balles. Ça, il fait ça, c'est bien avec tes mains. C'est vraiment un talent, ce mec. Il a trop de talent. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'en gros, il va se raser la barbe s'il avait atteint ce sub-goal. Ça veut dire que là, Mehdi Florian, on doit se raser la barbe à cause de quoi? Il y a Rayton qui vient de donner 1000 balles. Ok, faut que je trouve un rasoir. Merci. Charles. Barbe! La barbe, gros! C'est l'heure, hein. C'est l'heure de... L'heure de vérité. J'aurais pas dit mieux. 1000 balles ont été données. Ça, mais qu'il est parfait, Mehdi Florian, c'est quand même incroyable. Rase sa barbe! Oh putain, j'ai tellement pas envie. Ah bah si! Ah, ça commence, les gars. Là, c'est le destin. À partir de là, t'es obligé de finir, gros. Quand tu commences, tu finis. Mehdi Florian sans barbe, ça va être un vrai trip, hein. Ah, ok, c'est Epsilon, en fait, qui va raser Mehdi Florian. Là, ça devient un caméo, les gars. Je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est les 1000 balles les plus rentables de ma vie. Tu sais, Mehdi Florian, c'est le genre de mec, s'il dit qu'il se rase la barbe, c'est un vrai défi. C'est pas nul, tu vois. Parce qu'il a mis trop de temps à l'avoir. En vrai, ça va. Mais en fait, moi, c'est quand il y aura vraiment le bas, là, qui va être enlevé, que en bas, là, que genre, je vais comprendre. Qu'on va voir la différence. Oh, laissez-lui juste la moustache, s'il vous plaît. Chaque poil qui est retiré de son visage, c'est 1 euro que j'ai donné. Ah, mais en vrai, ça le change. On dirait une autre personne. On dirait pas Mehdi Florian. Oh, c'est un milliard de fois comme ça. En vrai. Et là, il termine, les gars, la complète Mehdi Florian. Baby Mehdi Florian. Ah, oh, ouais, mais là, c'est chaud. Putain, 10 ans de barbe pour que Rayton te fasse enlever ta barbe. C'est vraiment triste quand même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas tranquillement à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Là-bas, il y a actuellement un gros concours. Vous pouvez gagner des vacances. Alors, si vous voulez gagner des vacances et juste me suivre sur Instagram parce que vous êtes des gros BG, n'hésitez pas, c'est Rayton-YT comme YouTube. Si vous voulez venir me voir en live, comme les lives que vous avez vu là sur Twitch, le lien est dans la description, mais sinon c'est Rayton TV sur Twitch. Tous les soirs, je suis en live, donc venez me voir. D'ailleurs, un petit mot de remerciement quand même à la fin. Je remercie encore CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle l'offre incroyable qui est en description. Si vous cherchez un VPN de qualité, seulement 1,84€ par mois pour obtenir une confidentialité numérique complète. C'est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, c'était Rayton et tchuss.